सर पे साया है। हम कर हाथ चलना सिखाओ हमें, प्यार की धपकियों से सुलाओ हमें। ऐसा नहीं चुकाना इनको हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Précédemment dans Swarg, depuis la tragédie qui s'est produite à la foire, la vie de Satanarayan et Shub a changé pour toujours. Kamla, la personne la plus importante dans leur vie, les a quittés pour toujours. Pendant ce temps, Yashoda, une jeune femme veuve, comprend que ses beaux-parents viennent de l'abandonner délibérément à Vrindavan. Voyons ce qui se passe ensuite. Bonjour, comment ça va ma belle? Où tu vas? Est-ce qu'il y a un problème? Allez, vas-y, dis-moi! Pourquoi tu ne me dis pas ce qui ne va pas? Allez, ma jolie! Où est-ce que tu vas comme ça à cette heure-ci? Dis-moi, chérie, hein? Viens, viens avec moi, je t'emmène à la maison. Et tous tes problèmes vont s'arranger, tu verras! Allez, 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 chérie, reviens, t'inquiète pas, c'est bon. Tu sais, tu ne devrais pas traîner toute seule à cette heure-ci à Vrindavan, c'est dangereux. S'il vous plaît, laissez-moi. Je ne peux pas te laisser partir. Laissez-moi. Laissez-moi. Je ne peux pas te laisser toute seule comme ça, c'est ma responsabilité de veiller sur toi. Tu ne crois pas? Allez, hein, hein. Tu me fuis. Attends une minute. Reviens. Reviens, je te dis. Mais où est-ce qu'elle est passée, celle-là? Comment je vais la retrouver? Elle a pas pu s'envoler, quand même. Ah, mais c'est pas possible. Où est-ce qu'elle est partie comme ça, hein? Elle a dû partir par là. Fais-moi chauffer du lait, s'il te plaît. Tu connais mes habitudes. Je ne peux pas dormir sans avoir bu mon lait. Oui, oui. Je vais te le préparer. Shob, chérie, allez. Essaie de faire le vide dans ta tête et comme ça, tu pourras dormir. Hmm? Satya, où étais-tu passé, mon fils? Tu sais, j'ai envoyé Tilou à ta recherche. Tu as essayé d'expliquer à Shub le cycle de la vie et de la mort. Je ne sais pas s'il a bien compris tout ça. Mais accepteras-tu la réalité? Tu sais, mon fils, maintenant, tu es à la...
Ne te laisse pas submerger par ta peine. Qui va guider Choub dans la vie, dis-moi. Demain, on doit aller jeter les cendres dans la rivière. Après ça, il ne restera plus rien de Kamla sur cette terre. Joignez les mains et priez le Seigneur Vishnu. Faites un vœu. Joignez les mains et priez Dieu. La vie est comme ça. La mort est malheureusement inévitable. Comme nous jetons nos vieux vêtements pour en porter de nouveaux. Maman, sois fort, mon enfant. L'âme quitte le corps humain pour prendre une nouvelle forme. C'est la volonté de Dieu. Prions pour elle, pour qu'elle quitte notre monde en paix. Que Dieu miséricordieux l'accueille dans sa grande demeure et que son âme accepte avec sérénité son changement d'enveloppe. Maintenant, lève-toi et prie pour que l'âme de ta femme repose en paix et immerge ses cendres dans la rivière Yamuna. Pourquoi tu ne te suicides pas? Empoisonne-toi et meurs. Ou sinon, jette-toi dans la rivière Yamuna. Il y a beaucoup de veuves. C'est la seule chose qui te reste à faire. Je ne peux pas te laisser partir, ma belle. Ces courants, elles sont livrées à elles-mêmes et complètement désespérées. Laissez-moi. Il n'y a plus de place pour toi dans notre maison. Elles sont obligées de manger pour manger. Où est-ce que tu vas comme ça à cette heure-ci? Dis-moi, chérie. Tu as bien compris. Viens, viens avec moi, je t'emmène à la maison. Lâchez-moi. Et tous tes problèmes vont s'arranger, tu verras. Immergez les cendres. Maman, papa ne fait pas ça. Maman. Maman.
comme la vie, en amour. Papa, oncle Tino, maman. Mais non, mon fils. Il n'y a personne là-bas. Papa, papa, je suis sûr que j'ai vu maman là-bas. S'il te plaît, fiston, rentrons à la maison. Allez, viens. Papa! Papa, regarde là-bas! C'est maman! Papa, maman est en train de se noyer! Papa, je t'en supplie, va la sauver! Sois prudent, Satya, sors-la de l'eau. Satya, fais attention. Satya, sauve-la. Fais attention. Mon fils, Satya. Non, non, laissez-moi mourir. Calme-toi, chérie, calme-toi. Satya, sors-la de l'eau, Satya. Maman. Mon Dieu, Choub. Allez, vas-y viens. Laissez-moi mourir. Donne-moi la main, Satya. Satya, donne-moi la main. Merci, mon Dieu. Je ne mérite pas. Mais c'est Yashodamaya! Grand-mère! Papa, dis-moi qu'est-ce qui lui est arrivé? Papa, regarde là-bas, c'est Yashodamaya! C'est Mère Yashoda, n'est-ce pas? Yashoda? Tu es en vie. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Tu es devenue folle ou quoi, hein? Pourquoi tu as voulu te suicider? Et s'il t'était arrivé quelque chose? Ça n'aurait fait aucune différence pour personne. Dieu ne s'en fiche pas. C'est immoral de faire ça.
Tu n'as pas le droit, c'est considéré comme un péché. Qui t'a donné la permission d'abandonner la vie que Dieu t'a donnée? T'es inconsciente ou quoi? Ma fille, comment tu t'appelles? Seiya Shodamaya. Tu sais, c'est un péché de vouloir mettre fin à ses jours. Parce que la vie est un don de Dieu. Il est le seul à avoir le droit de la reprendre. Oui, Dieu nous donne don de la vie. Mais il aurait dû aussi me donner une raison de vivre. Je n'ai aucune raison de vivre. En plus de ça, j'ai tellement de problèmes qui ont surgi dans ma vie. Tous mes espoirs et tous mes rêves se sont envolés. À quoi bon vivre une vie aussi malheureuse que la mienne? Pourquoi vous ne m'avez pas laissé mourir? Pourquoi vous ne m'avez pas laissé mourir? Et comment on aurait pu te laisser faire ça? Chérie, écoute-moi. Dis-moi pourquoi tu tiens absolument à mourir, dis-moi. Pour tout vous dire, mes parents sont morts quand j'étais petite. J'avais un oncle qui a réussi tant bien que mal à me marier avec un homme charmant. Mon mari était dans l'armée. Quelques jours après notre mariage, il est mort dans un affrontement avec des terroristes. J'ai cru que j'allais tout oublier et dévouer ma vie entière à servir ma belle famille. Mes beaux-parents avaient d'autres projets pour moi. Ils m'ont persuadé de venir avec eux ici à Vrindavan. Une fois sur place, ils m'ont abandonnée. Ils m'ont écrit une lettre pour me dire que je suis de mauvais augure. Ils m'ont dit que je n'avais plus ma place dans leur maison. Vous pouvez me dire ce que j'ai fait de mal dans cette histoire. Je les considérais comme mes propres parents. Quand ils m'ont abandonnée, j'ai perdu tout espoir de vivre. Où est-ce que je vais aller maintenant? Les gens sont mal intentionnés. Ils attendent toujours quelque chose en retour d'un service. Comment je peux vivre dans un monde comme ça? Ma chérie, ne te mets pas dans des états pareils. Le temps que tu puisses trouver un toit ici, le temps que tu trouves un endroit où vivre, tu vas rester avec moi, dans ma maison, chez moi, ma fille. Ma tante, c'est facile à dire. Tu te rends compte de ce que tu dis? C'est pas vrai? Ah, bien sûr. Je propose qu'on l'envoie au foyer pour veuve. Il y a beaucoup de femmes livrées à elles-mêmes dans cette ville. Combien tu comptes en aider comme ça? Réfléchis bien, d'accord? Dis-moi, qui suis-je pour pouvoir aider quelqu'un? Ça, mon fils, c'est la volonté de Dieu. Mon frère, bois ton thé, il va refroidir. Satya, le magasin est fermé depuis 3 jours. C'est quand qu'on rouvre? Dilaram, rends-moi un service. Prends cet argent et utilise-le pour acheter 2 nouveaux saris à cette femme. C'est une veuve, elle n'a plus rien du tout. Achète-les et donne-les à ma tante pour qu'elle l'habille. D'accord.
Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Tu la soutiens? Tante Méro a perdu la raison. Pourquoi se donner autant de peine pour une inconnue? Au moins, toi, reste en dehors de ça. Raison. Je ne sais pas pourquoi Tante Mérou fait tout ça. Elle a à peine de quoi vivre et elle se prend pour les services sociaux. Cela va nous attirer des ennuis. Je le répète, envoyez-la dans un foyer pour veuve. Dieu seul sait qui est cette femme et d'où elle vient. Elle a sûrement inventé toutes ces histoires. Comment peut-on croire ça? Je suis sûre qu'elle a fait quelque chose de mal pour en arriver là. C'est pour ça que ses beaux-parents l'ont abandonnée. Ça doit être une pécheresse. Mais cette femme a des problèmes. Je pense qu'elle dit la vérité. Les gens mentent quand ils veulent garder la vie sauve. Mais elle, elle a voulu mourir. Kiloram, s'il te plaît, tu ferais mieux de te taire. Tout ce que je dis, c'est évidemment pour le bien de mon frère. Manorama. Laisse-moi seule, s'il te plaît. Viens, après tout, on s'en fiche. Eh bien, qu'est-ce que tu fais encore là? Hein? Va acheter les saris. Oh, bien, Satya, j'y vais. Papa? Pourquoi est-ce que Mère Yashoda a voulu sauter dans la rivière aujourd'hui? Est-ce qu'elle a fait quelque chose de mal? Non, mon fils. Elle n'a rien fait de mal. Elle traverse juste une période difficile. Quand on traverse une période difficile, même les êtres aimés se retournent contre nous. Mais de toute façon, tu n'es qu'un enfant. Ne pense pas à tout ça. D'accord? Ma chérie, tu vas attraper froid. Viens te changer. C'est un sari neuf? C'est Satya qui te l'offre, ma fille. Je n'avais pas de vêtements. Ma tante, je n'arrive pas à y croire qu'il existe encore de bonnes personnes dans ce monde. Ce monde a été créé par Dieu. Il s'assure quand même de mettre quelques bonnes personnes. Comme Satya, par exemple. Le chagrin est une épreuve que l'on doit traverser. Ma chérie, dis-moi pourquoi est-ce que tu as voulu mettre fin à ta vie? La vie est faite de douleurs pour tout le monde, tu sais. Regarde Satya et son fils. Pense à la peine qu'ils ont tous les deux. C'est vraiment pas facile. Le destin a été tellement cruel. Oui, Dieu n'aurait pas dû faire ça à un si jeune enfant. Ce qui lui est arrivé est vraiment cruel. Thank you.
J'ai perdu ma balle, tu peux m'aider à l'attraper? Où l'as-tu jeté, mon fils? Là-haut, sur le toit. Ok, je vais te la prendre. J'arrive. Elle est là-haut? Oui. Tu l'as lancée aussi haut que ça? Maman, est-ce que tu trouves ma balle? Oui, je la vois. Elle est juste là, mais je n'arrive pas à l'attraper. Fais vite, maman, s'il te plaît. Attends, mon fils, je fais ce que je peux. Maman, est-ce que tu la vois? Allez, fais vite, s'il te plaît. Ah. Maman! 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 Papa, maman est tombée! Papa, maman est tombée! Chérie, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Chope, papa, chérie, maman allez. Est tombée! Où ça? Non, il n'y a personne ici. Papa! Papa! Papa, maman est tombée! Viens, viens ici. Assieds-toi. Choup, qu'est-ce qui se passe? Satya, qu'est-ce qu'il y a, Choup? Grand-mère, maman est tombée! Non. Il croit que Kamla est toujours là. Non, assieds-toi ça va là. Aller, mon chéri. Voilà. Assieds-toi ici. Calme-toi, calme-toi. Choup, 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 calme-toi. Choup, choup, choup. Choup, calme-toi. Satya, envoie-le quelque part quelques jours. Ici, tout lui rappelle Kamla. S'il s'éloigne un peu d'ici, il oubliera peut-être. Ça lui fera du bien. Ma tante, tu as raison de dire ça. Et où veux-tu que je l'envoie? Chandar et Manor m'appartent demain. Ils n'ont qu'à l'emmener avec eux. Je pense qu'il sera bien là-bas en compagnie de leur fille. Tu as peut-être raison. C'est ce que je devrais faire. Non, papa. Je ne veux pas aller là-bas. Je veux rester ici avec toi, papa. Papa. Chérie, écoute-moi. Ne t'inquiète pas. Mohini est là-bas. Tu seras bien en sa compagnie, tu verras. Ne t'inquiète pas. Ton père te ramènera ici dans quelques jours. Tu ne vas pas chez un étranger dans sa maison. C'est chez ta tante que tu vas. Tiens, bois. Nous voilà avec un problème de plus. Tu vas t'occuper de ta propre fille ou bien ce gamin infirme? Tu as absolument raison. Notre maison, c'est pas une maison de repos. J'espère que mon frère n'aura pas l'intention de nous laisser son fils éternellement. C'est un handicapé et un bon à rien. Moi, je te dis qu'il faut qu'on invente une excuse et qu'on parte d'ici en vitesse. Je n'ai pas du tout l'intention d'élever un gamin infirme. Il faut qu'on se débarrasse de cette histoire au plus vite. Tu as absolument raison. Mais alors, qu'est-ce que je vais dire à mon frère?
Kamla, je t'en prie, parle-moi. Maman. Maman. Partons et tu ferais mieux de ne pas nous chercher, maudite femme. Tu croyais vraiment qu'on allait s'occuper de toi éternellement? C'est toujours comme ça qu'il faut. Pourquoi tu ne te suicides pas? Empoisonne-toi et meurs. C'est un péché de vouloir mettre fin à ses jours. La vie est un don de Dieu. Il est le seul à avoir le droit de la reprendre. Comment est-ce que tu t'appelles? C'est Yashodamaya. Mon chéri. Bonjour, chéri. Bonjour à toi, papa. Allez, lève-toi. Il est l'heure de se lever. Allez, lève-toi tout de suite. Allez, mon chéri. Très bien. Ah. Tu veux venir avec moi au temple? Après, je vais t'emmener chez ta tante pour quelques jours, d'accord? Allez, lève-toi, prépare-toi, on va bientôt partir. Quoi? Papa! Choum! Tu as fait un cauchemar? Chérie, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Non, papa, il n'y a rien. Il s'est sûrement passé quelque chose pour que tu sois comme ça. Chérie, tu veux pas me raconter à papa? Vas-y. Papa! S'il te plaît, je ferai tout ce que tu voudras. Je ne pleurerai plus pour maman. Mais laisse-moi rester avec toi, papa. Je t'en prie, ne me demande surtout pas de partir de la maison. Chérie, mais enfin, je ne te renvoie pas pour toujours. C'est juste pour quelques jours. Papa, tu sais que je ne peux pas vivre sans toi. Laisse-moi rester ici, papa. Sinon, je me sentirai trop seule là-bas. Mais tu ne seras pas seule. Moïni sera là. Il y aura ta tante aussi là-bas. Papa, je ne veux pas partir avec tante Manorma. Papa, je veux rester là, je veux pas partir avec Tati. Je veux pas aller chez elle.
Pourquoi? Vas-y, dis-moi. Est-ce que ta tante t'a dit quelque chose? N'aie pas peur. Dis-moi ce qui s'est passé. Papa! Oui? Hier soir, je suis allée chercher un verre d'eau et j'ai entendu ma tante. Elle parlait avec mon oncle. Il disait que je suis un handicapé. Ils m'ont traité d'infirme. Ils ont dit que je serais sûrement un fardeau pour eux. Ils ont dit que je serais une bouche supplémentaire à nourrir. Papa, je ne veux pas partir avec eux. Je ne veux surtout pas partir là-bas, papa. Papa, laisse-moi rester ici, s'il te plaît. Je ne veux pas partir d'ici, papa. Tu te rappelles de ce que tu as à dire? Non, dis-le. Oui, d'accord. On vient d'apprendre que ton frère est tombé malade, donc on doit partir pour Gorakhpur au plus vite. C'est pour ça qu'on ne peut pas emmener Shub avec nous. Dans quelques jours? Ah, dans quelques jours, on reviendra ici pour prendre Shub. C'est bon comme ça? Oui, très bien. Voilà ma tante, prends ces vêtements là aussi. Petit loup, eh ben, tu ne vois pas comme je prends soin à plier ses habits? Toi, tu fais vraiment n'importe quoi. Il ne va pas emmener ça. Reprends-les. Le rickshaw, tu l'as appelé? Le rickshaw attend dehors. C'est qui? Sukiya? Demande-lui si sa fille va mieux ou pas. Fais-le pour moi. Demande-lui toi-même. Donne-moi la valise. J'ai autre chose à faire, moi. Tu es un homme occupé, toi. Vas-y, prends cette valise. Ça y est, vous êtes prêt à partir? Oui, ma tante. Satya, mets entre vos mains son fils adoré. S'il vous plaît, prenez soin de lui. Il a perdu sa mère si jeune. S'il fait une bêtise, pardonnez-le, ok? Au fait, vous savez où ils sont passés? Satya? Satya Narayan, où es-tu? Oui, ma tante. Il arrive. Où étais-tu passé? Ils attendent Shub. Chérie, viens. Viens ici, viens. Voilà, ils sont prêts. Ouah, Shub! Tu es très beau comme ça, tu as l'air d'un prince. Que Dieu te bénisse. Je t'aime. Dis-leur maintenant, ou sinon ce sera trop tard. C'est le moment où l'handicapé pourrait partir avec nous. Mon frère, il y a... Je sais, Manorama. C'est vrai que Shub a mis un peu de temps à se préparer. Non, mais... Non, mon frère, c'est pas ça. C'est que... On peut pas. Shub, tu comprends? Son frère... Il peut pas... Shub... Une minute. Pas... Mon beau frère, on ne peut pas prendre Shub avec nous. Satya, donne-moi la valise pour que je la mette dans le rickshaw. Et puis, ne lui donne pas plus de 15 roupies. J'en ai déjà parlé à Sukiya, tout est arrangé. Si on continue de discuter, ils vont finir par rater le bus. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà envoyé la valise de Shub là-bas. Tu le rames? Bien sûr, Satya. Ramène-moi la valise de Shub, s'il te plaît. Mais pourquoi? Pourquoi leur ramener? J'ai déjà préparé ses affaires tout à l'heure.
Ma tante, je reprends les choses en main. Choub ne part plus. Il va rester à la maison avec moi. Comme tu le voulais, mon grand. Et de quoi tu parles, Satya ? Tu vas aller travailler. Et mon petit garçon ne va faire que penser à sa mère. Il se sentira beaucoup mieux, Satya, s'il part quelques jours là-bas. Non, ma tante. Choub va rester ici. C'est moi qui vais veiller sur lui. Manorama, mon beau-frère, prenez votre petit déjeuner avant de partir. Non, merci, mon beau-frère. Ne te dérange pas. Ah oui ? Mais mon frère, je m'inquiète pour Choub, c'est tout. Comment tu vas faire pour t'occuper de lui? J'aurais aimé que Choub nous accompagne. Il aurait été bien en compagnie de Mohini. Sa mère ne lui aurait pas manqué là-bas. Hein? Il aurait été heureux avec nous, j'en suis sûre. Mais non, ben c'est bon, enfin. Mon beau-frère devra bien s'occuper de son fils un jour, non? Alors pourquoi pas dès aujourd'hui? On s'en va maintenant, c'est mieux. Très bien. Merci pour D'accord. tout. Inutile de nous accompagner. Manorama, on y va. Oui. Vas-y, emmène ça. Au revoir, mon frère. Ma tante. Au Manorama, revoir. On y va. On va être en retard. Choub, à bientôt. Au revoir. Choub, prends bien soin de toi. Allez, dépêche-toi un peu. Satya, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu ne l'as pas envoyé avec eux? Ma tante, je n'avais pas les idées claires quand j'ai décidé de l'envoyer chez eux. Ma tante, je suis responsable de lui. Je ne peux pas l'envoyer chez eux. Il sera un fardeau pour eux, tu comprends? Chandar a raison. Je vais devoir assumer mes responsabilités. De toute façon, je n'ai plus personne à part Choub maintenant. C'est mon unique raison de vivre. Comment pourrais-je vivre sans lui? Ce petit garçon a besoin d'un père à ses côtés. Et quel genre de père deviendrais-je, ma tante, si je l'abandonnais? Attends. Quoi que Dieu fasse, c'est toujours pour le meilleur. Ma tante, ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de tout. Nous avons ta bénédiction avec nous. Et puis, il y a le Seigneur Krishna qui veille aussi sur nous. C'est vrai, n'est-ce pas, chérie? Ok, mets ta Dis, chemise. Dis, Tilou. Où es-tu? Les friandises sont prêtes. J'arrive, ma tante. Chérie, tu es prêt? Où as-tu perdu ton bouton? Tiluram. Tu es prêt à ouvrir le Bien magasin? Bien sûr, Satya. Tu vas aller à l'école? Oui, grand-mère. Papa? Il manque un bouton ici. Je vais t'arranger ça. Oh. Attends. Ok, donne-moi ta chemise. Mais enfin, où est passé ce fichu bouton? Allez, je vais m'en occuper. Non, ma tante, je vais le faire. Donne-la-moi. Laisse-moi coudre ce bouton et toi, tu t'occupes de son cartable. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Papa, ça a la forme de la ville de Delhi que tu as fait. Vraiment? Non, je vois vous. Ça n'a aucune forme ce que tu as fait. C'est comme l'Uttar Pradesh. Je vais recommencer. Ok, papa.
Satya, juste une minute, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais t'expliquer. Satya, regarde, voilà. On va lui donner une forme ronde avec ça, regarde. Waouh! Eh bien, Santiluram, c'est vraiment de l'excellent travail. Tu sais, merci. Papa, celui-là est vraiment très bien réussi. Ah, faisons le cuir maintenant. Voilà. Tiens, Tilou, serre-toi. C'est prêt. Bien, tiens. Tiens, prends les chapatis. Allez-y, on peut commencer. Je suis bien débrouillé. C'est très bon, papa. C'est bon, non? Satya? Oui, ma tante. Dis-moi, c'est toi qui as fait la cuisine, Satya? Regardez-moi tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire de ce pain maintenant? Tu ne crois pas que tu devrais me laisser faire? Hein? Tiens, donne à Choup ce que j'ai préparé. Tu vas le rendre malade en lui donnant ta cuisine à manger, mon pauvre. Ma tante, tu as raison. Malgré tous les efforts que je réalise, je n'arriverai jamais à faire tout ce qu'une maman sait faire. Ne t'en fais surtout pas. Regarde, aujourd'hui tu as appris à faire des rôtis bien ronds. La joie et la peine font partie intégrante de la vie. Quand bien même Dieu nous inflige des souffrances, il nous accorde aussi des moments de bonheur.